une grosse demande nous sommes à bord de cette mg5 sur lequel on va tester les différents appareils euh, android parce que c'est des très grands débats euh, et d'autres grands savants qui donnent euh, leur euh, leurs leçons, hein, on va dire ça comme ça, parce que euh, soi-disant n'importe quel boîtier est compatible et compagnie suite à une vidéo qu'on avait postée au mois d'août et euh, qu'on a posté à nouveau euh, bah, fin euh, octobre. Donc comme vous pouvez euh, constater. La tablette de la MG5 elle est déjà plus performante que du ZS1 et EHS. Ça, c'est euh, flagrant, on le voit, on le constate. Euh, et euh, par contre, euh, bah, l'Android Auto, c'est euh, assez euh, compliqué à le faire fonctionner parce que on est obligé de brancher le câble. On ne peut pas le faire euh, via Wi-Fi. Et euh, le problème est que euh, effectivement. Euh, ça limite aussi euh, l'usage euh, de l'Android. C'est-à-dire que, par exemple, pour regarder YouTube, même à l'arrêt, d'origine, vous pouvez pas le faire. Donc vous êtes obligé de passer par un boîtier. Donc nous ici on a une sélection. Donc celui qui revient le plus dans tous les commentaires, c'est le Carlink, comme euh, Carlinkit, comme quoi il fonctionne bien, etc. Donc là j'en ai pris un dans le commerce. Euh, tout à fait basique donc euh, on est au euh, même pas à 200 euros qui euh, d'ailleurs a l'air d'être euh, euh, presque la même chose que ce qu'on propose il hein. n'y euh, a pas de souci carte euh, lecteur carte sim lecteur euh, carte mémoire et la fameuse prise usb euh, il est livré avec deux usb d'ailleurs donc le USB C USB C et USB normal à USB C donc là je vais le connecter l'appareil et à la voiture alors je fais une petite pause pour faire le branchement puisque j'ai qu'une seule main et on revient donc là je l'ai branché il n'y a plus que la prise USB à brancher donc c'est chose que on va faire de suite alors trouver le bon angle pour filmer et c'est dans ce sens voilà je l'ai branché normalement voilà les deux voyants sont mis à travailler voilà, donc ça va se mettre à clignoter, bah, ça y est, et après, normalement, ça va devenir fixe, bah, on dirait que c'est le cas, alors, ici, on appuie sur Android Auto, ou CarPlay, et euh, comme vous pouvez constater, ça ne fonctionne pas, alors que les voyants, ils sont bien allumés, donc là, il clignote, parce que certainement qu'il communique avec le véhicule, là il est complètement éteint. J'espère que ça va pas durer non plus deux heures. Là, normalement quand ça clignote c'est l'installation. Enfin si ça fait euh, comme l'autre appareil. Hein. Alors, chose qui est bizarre, c'est qu'ici, on a le Android, il n'est pas grisé. Hein, donc logiquement, on devrait pouvoir se connecter. Par exemple, ici, le CarPlay, lui, il est grisé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas accès. Mais lui, il n'est pas grisé. Donc ça veut dire que logiquement, on devrait avoir accès. Et ben non. Et on ne peut pas. Et pourtant, là, c'est. Enfin. C'est alimenté. Il euh, n'y a pas de problème. Mais bon. On va dire que il manque peut-être le courant parce que beaucoup vont dire oui mais ce n'est pas alimenté donc ok je mets juste le contact mais on va aller même jusqu'au bout on va le démarrer parce que sinon on a plein qui vont dire oui mais il n'est pas démarré donc vous voyez comme ça vous voyez que ça fonctionne alors Normalement, il se met en route. Alors, est-ce que ça change quelque chose Eh ben non, ça change rien du tout. Du coup, le Carling Kit, comme vous avez pu voir, lui ne fonctionne pas. Donc, je coupe. Parce qu'on va faire les mêmes conditions pour les autres. Hein. On euh, ne va pas commencer à favoriser euh, un boîtier. Donc vous avez vu. Premier boîtier, Linkit, le plus courant. Celui que tout le monde dit oui, un Linkit, ça marche à coup sûr, etc. La preuve, il ne marche pas. En tout cas, ce format-là ne fonctionne pas. C'est un Android 11 de mémoire. En 4.64. Voilà, mais après, il existe en Android 9. Euh, après, Android 12, euh, je vois pas l'intérêt parce qu'il est vraiment très cher, on dépasse les 300 euros de mémoire. Donc, euh, et puis en plus, ça n'apporte pas grand chose. Hein, euh, C'est juste une histoire de compatibilité euh, de certaines applications très récentes. Et encore, ça serait euh, du genre euh, certains jeux ou des applications vraiment très complexes. Donc, euh, pas de gros intérêt euh, pour euh, les voitures. Bon, lui, éliminé. Vous voyez, on va faire très vite. Hein. Ça, c'est notre boîtier à nous. Rappelez-vous. Donc, actuellement, il a cette forme-là. Mais attention, hein, ça varie. Hein, et euh, le constructeur nous a dit attention, euh, aujourd'hui, euh, c'est comme ça. Euh, avec la fameuse trappe. Ah oui, elle est là, ici. Donc, euh, là, on n'a que de visible le, la prise USB. Euh, et euh, en fait il a euh, aujourd'hui cette image là ça peut être une autre ainsi de suite mais globalement la forme euh, sera toujours dans ce style là donc comme un carling kit en gros et il nous a bien expliqué que euh, suivant les arrivages etc. il pouvait y avoir euh, une différence mais sinon globalement c'est ça là je vais vous montrer directement avec le boîtier qu'on propose voilà donc il est proposé avec un câble Alors en général il peut être plus ou moins long ça c'est pas euh, important euh, voilà nous a dit aussi que des fois il peut mettre aussi les deux câbles ça, ça dépend parce qu'ils il s'aperçoivent de plus en plus que euh, les véhicules sont euh, livrés en usb-c euh, d'office et l'usb normal euh, a une tendance à disparaître voilà donc je fais une pause pour pouvoir le brancher donc on le branche comme ça donc lui vous voyez les lumières bleues et rouges ici voilà donc c'est en train de s'installer tranquillement et sûrement voilà ça clignote l'écran a basculé tout seul en android donc là, il se fait une auto-calibration. Donc il faut que j'éteigne l'écran. Voilà. Je le rallume. Alors, quel que soit l'EMG, la maison en appuyant quelques touches. Ou non, là c'est un coup bref peut-être. Euh, automatiquement, euh, c'est fait pour euh, redémarrer l'écran. Toutes les MG, quelles qu'elles soient, même les euh, euh, ZS première génération, le EHS aussi, euh, et puis le MG4 pour le coup. Donc vous avez vu que il s'est mis parfaitement sur le véhicule. Il est à l'heure et tout. Ben ça c'est bien. Alors, les applications qui sont de, déjà sur le véhicule, hein, comme vous pouvez voir, il y a Netflix, Waze. Euh, alors, Waze, ça dépend. On a, on a eu des clients qui nous ont dit que ce n'était pas forcément tout le temps mais euh, voilà, euh, il suffit de le télécharger, hein, parce que vous avez le Apple Store, attendez, il est où, il est où, il est, il est là, vous cliquez, vous mettez votre compte, et euh, vous, ça fonctionne, donc je vais vous montrer, regardez, tac, je clique bien sur la touche, et vous voyez, on est bien sur euh, la touche de fonctionnement, le Wifi, donc connexion Wifi, Bluetooth, euh, les paramètres, donc là, vous avez euh, tous les réglages, etc. Donc c'est un fonctionnement comme un téléphone portable. Ici sur cette touche-là, c'est un accès rapide et direct à certaines fonctions. Euh, voilà. Euh, pour revenir en arrière, par exemple, bah, je vais être obligé encore. Donc là, on a. Ah oui, ça c'est le menu euh, du véhicule. Hein. C'est pas le menu du, du CarPlay. Tac. Ah, il est là le le, bouton, le fameux bouton là par contre il est mal placé j'aurais dû le placer un petit peu tout à l'heure quand j'avais cliqué j'aurais dû euh, le placer différemment du coup je suis obligé d'aller là et je reviens ici vous voyez hein, les deux sont bien euh, grisés donc ben non elle n'est pas bonne la date c'est il ya que l'heure qui est bonne Bon, ça c'est pas grave, c'est un, un réglage ou alors il doit certainement... Voilà, et le petit point en fait, vous le prenez, vous le mettez dans un endroit où il gêne moins, mais surtout qui est facile d'accès, parce que là haut il était un peu trop euh, euh, sur le côté. Euh, voilà, donc la présentation ici c'est Google Maps, mais vous pouvez euh, faire en sorte que ça, ça Ici ce que vous écoutez, enfin bref, euh, voilà. Ici, donc pour avoir accès... Aux, euh, aux applications et sinon pour les avoir donc ça c'est toutes les applications et sinon pour avoir accès vraiment aux applications mais en plus grand format ça soit plus facile quand vous êtes en train de de conduire par exemple vous euh, bah, c'est plus facile un hein, Netflix voilà sauf que bon j'ai pas le wifi donc il va dire voilà désolé on n'arrive pas à joindre le service essayez plus tard et ce qui est normal alors le ok Ouais, parce que là il a un fonctionnement un peu dégradé du fait qu'il n'y a pas internet euh, après ici vous avez quand même pas mal de petites choses donc la touche ici si on vient sur maison c'est normalement il y a une deuxième page ah oui on est sur la deuxième page là c'est celle là Et là ici d'accord pour aller donc là je vous refais si vous voulez retourner Menu euh, de, de chez MG, vous revenez, vous pouvez faire ce que vous avez, par exemple faire un réglage, etc. Bon, vous avez vu, hein, ça fonctionne relativement bien, il n'y a pas de problème. Donc pour le coup, on va euh, euh, vous montrer quoi. Ah oui, ça, on peut poser ici, vous voyez, on peut faire moitié-moitié, nouveauté dans cette zone. Donc là, c'est en fait tout ce qui est. Alerte, etc. Ici, ce que vous écoutez, donc même si c'est la radio, euh, ça fonctionnera sans problème. Euh, voilà. Euh, là, j'ai euh, redémarré. Tout euh, s'est mis à donc la date et l'heure et s'est mise euh, à fonctionner correctement. Et du coup, euh, là, on est euh, ok. Voilà. Donc, on va passer à une autre machine. Hein, comme ça, vous allez voir par vous-même si le fonctionnement il est pareil ou pas. Et euh, voilà. Donc là, je vais même couper le contact, Tac. Euh, pour faire toujours le même mode de fonctionnement. Euh, on peut euh, donc le mieux. Je vais faire comme ça. Allez, on débranche et on passe à un autre. Donc celui-ci, on valide. C'est le nôtre. Donc la boîte, elle peut éventuellement changer. Là aujourd'hui, il est en, en blanc et euh, ça peut passer euh, euh, éventuellement à, à autre chose. Ici, c'est quoi Ça doit être un 2 aussi, je crois, mais un autre format. Ah, un iBox. iBox euh, avec le câble. Bon bah on va on va mettre tout ça. Euh, je vais brancher. Bougez pas. Alors l'avantage de celui-là, c'est qu'il a un USB-C ici, donc vous voyez, hein, c'est un 464. Euh, il a un HDMI en plus du USB. Voilà, donc il n'y a pas de lecteur carte mémoire, il n'y a pas de carte SIM, il n'y a rien euh, pour le reste. Euh, il a l'avantage d'être ventilé, donc euh, en gros, c'est, enfin j'espère que c'est pas un mauvais produit. En tout cas, celui-là, de mémoire, il avait coûté euh, euh, dans les mêmes montants de ce qu'on propose. Alors, attendez, je vais brancher. Alors, tac, ici, lui, il clignote. On voit très peu parce que c'est des petits points. Donc, il y a du bleu, le rouge qui clignote, qui se stabilise. Ici, donc, lui, c'est allumé. Voilà. Donc, Play, vous avez vu, ça se met en route tout seul. Voilà, donc là on a bien MG, ah, mais il s'est déconnecté. Voilà. C'était pas trop mal parce qu'il avait reconnu, on dirait, la voiture. Là, on n'a plus accès. Bon. Bah, au moins ça a été rapide et efficace. J'ai le courant. Allez, on va faire le test de mettre le véhicule en route. Voir si ça change quelque chose. Ah bah ouais, on dirait que ça change. Ok, donc là il affiche plus grand. D'accord. Mg. Bah je vais cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Ok, on est sur MG. Ah oui, en fait, c'est euh, le retour. Donc en fait, c'est un boîtier qui reconnaît le véhicule et suivant euh, la voiture, bah il va mettre la, le logo de la voiture. C'est ni plus ni moins pour retourner au menu d'origine. Bon, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Euh, il faut reconnaître. La disposition est un petit peu différente, voilà. Mais après globalement, ah oui. Donc il fait que ça. On n'a pas euh, l'autre page. Donc en fait, on a accès que aux applications de toute manière c'est la principale fonction qu'on cherche donc euh, pourquoi pas donc dessus il euh, y a YouTube qui est déjà intégré il y a euh, la musique en Bluetooth bon va bah, ça d'accord euh, la vidéo donc si vous avez une carte mémoire euh, bah ce, à travers un euh, l'USB donc ici ou l'HDMI voilà donc ça c'est euh, c'est c'est bien et après on a euh, les navigations donc euh, il y a forcément un euh, euh, ah bah non là il y a d'autres applis ah oui d'accord donc en fait quand on arrive au tout début donc c'est les euh, applications euh, favorites qui sont sur la page d'accueil après ici vous avez toutes les autres applis donc il y a bien Netflix dedans ou euh, Disney plus voilà vous avez juste à mettre vos comptes donc ça OK ça c'est la touche en arrière donc en fait, la page d'accueil où sur euh, les autres, vous avez euh, euh, le GPS, euh, ce que vous écoutez, etc. Donc celui-là, il n'y en a pas. Euh, vous avez ici euh, les principales euh, applications que vous utilisez et quand vous voulez avoir les autres. Donc, euh, mince, j'ai fait comment déjà Je sais même plus comment j'ai fait. Ah non, c'est ici. Oh mince, j'ai euh, balancé euh, Netflix. Oui, c'est normal, il n'y a pas d'internet, donc euh, voilà. VLC, etc. Euh, voilà, donc on revient en arrière et quand vous voulez les applications, c'est marqué ici, c'est en plein milieu. Et là, vous avez accès aux autres. Bon bah, c'est fonctionnel, il faut le reconnaître. Euh, D'ailleurs, ça, d'avoir mis un raccourci pour venir directement ici, c'est euh, bien vu. Donc franchement, ça peut être une bonne alternative. Il n'y a pas de lecteur carte mémoire, il n'y a pas de, de, de lecteur carte SIM. Euh, donc de mémoire, on est dans les 200 et quelques euros. Euh, à vous de voir si euh, il y a une promo, hein, pourquoi pas. Euh, ça peut être intéressant. Mais euh, voilà. Donc lui, je le valide pour la MG5. Autant euh, ce boîtier-là, on l'avait mis sur euh, euh, le Marvel et euh, il fonctionnait pas. Donc vous voyez comme quoi, euh, suivant les véhicules, euh, suivant technologie embarquée, euh, ça peut varier. Allez, on passe à un autre boîtier. On défait celui-là et on va mettre un autre. Alors, on passe à un autre... Euh, bah, carling Kit. Voilà. Parce que euh, c'est vraiment celui qui est ressorti à chaque fois dans les commentaires, etc. Le meilleur. Euh, le, enfin, tout ce que vous voulez. Euh, pour le coup, là, c'est un autre format. Euh, y a-t-il des informations sur le boîtier Non, il y a pas d'informations. Ah si, il y a des informations. Donc celui-là, c'est un. Normalement, j'ai pris que des 464. Hein, j'ai pas, parce que 64 Go en fait, ça se remplit très très vite. Euh, voilà. Et puis, euh... mais là, pour le coup. J'ai pas plus d'informations. Et sur la boîte là non plus. Je n'ai pas plus. Bon, c'est pas grave. Et sur lui, c'est pas marqué non plus. Non. Bon, peu importe. On va le tester on va le brancher comme tous les autres. Donc je vais couper le courant. Je vais l'installer parce que j'ai qu'une seule main. Donc je reviens à vous. Voilà, il est branché. C'est bizarre, il est bleuté. Mais bon, la couleur, on s'en fout, à la rigueur. Je l'ai branché. Est-il des voyants Je vois rien. Ah si, ça y est. Donc du rouge. Ah, il s'est dégrisé. On va voir. Plusieurs phones to connect to Bluetooth MG 60... 57A5. D'accord. Donc ça, c'est pour dire que si on veut le Bluetooth, il faut se trouver celui-là. Et voilà, ok. Donc, pas de souci. setup, je, je clique. Alors, il est en anglais. Ah oh, putain, ah oui, d'accord. Bon, bah là, on a un problème de calibrage d'écran. En fait, si vous vous rappelez, ça, vous, ça fait un peu comme... Euh, comment s'appelle le, le Marvel. On touche à côté. Français, connexion automatique. Merde. Putain. Euh, et là par contre ça, ça là là ça rame. Là en termes de oh. là c'est pénible. Ah, il est euh, d'une île lent, euh, pas calibré. Enfin pas prévu pour euh, cette taille d'écran certainement parce que il est euh, plus que 16 neuvièmes. Je dirais qu'il est 29e hein, au lieu de 16 9e. Bon en même temps on va permettre de savoir quels sont les langues qui sont dessus. Hein, euh, voilà. Ouais bon ok. Oh, euh... Et je le fais pour la vidéo, sinon là je, je serais déjà parti. Hein. Wow. Donc, je fais légèrement au-dessus, une cliché et oh, chinois. Donc, il n'y a pas portugais de ce que j'ai vu. Français, maintenant je fais connexion automatique, je clique. J'ai cliqué plus ou moins sur français. Voilà. Et oui, parce qu'à force d'avoir testé des appareils, je commence à être un, un pro. Revenir en arrière. Donc c'est ici. Je ne suis pas bien en face. Ici. Non plus. Ici. Ah. Donc en fait, je ne peux pas... Euh Normalement c'était ici par ici. Ah il a changé de couleur donc ça veut dire que normalement c'est bon. Ok bon et après, re, re la flèche euh, ici. Ouais, c'est une catastrophe. Ah ou ouais, non Non. Euh, là, c'est peut-être moi qui, qui merdouille parce que peut-être que lui, il a besoin d'être connecté au Bluetooth d'abord et après d'avoir accès aux applications de votre téléphone, ce qui est complètement différent Android Auto, etc. Et euh, donc, si c'est un Android, ou si c'est un iPhone. Donc euh, ouais bon pas aucun intérêt allez vous, ça va dégager allez on va passer à un autre alors on va tester le fameux boîtier tout miniaturisé tout petit euh, rappelez-vous sur le Marvel <laughs> c'était un sketch euh, autant sur euh, on va on va l'essayer hein, sur le MG5 hein, peut-être que ça sera différent euh, qu'est-ce qu'on a ici là Ouais, bon, il est passé euh, aux normes de sécurité, d'accord. Bon, allez, je vais le brancher et on reprend tout de suite derrière. Pour le coup, c'est vraiment le plus petit qu'il y ait. Et on va le brancher. Voilà. Donc, oui, il est connecté, c'est bleu. Au niveau de l'écran, bah tiens, ça vient de se mettre en route. Alors le Bluetooth, il nous dit que c'est auto. Ok, on clique là. Bah oui, mais euh... non, mais moi c'était ça. D'accord. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un système sans fil euh, de du système Android Auto et CarPlay. Voilà. Donc en gros, il, euh, vous connectez en Bluetooth à ça et après euh, vos applications que vous avez, elles sont là-dessus. Par contre, vous n'aurez pas euh, YouTube en roulant, vous n'aurez pas Netflix en roulant, etc. Ni, euh, ni euh, les applications de jeux, entre autres. Donc c'est vraiment un système Android et CarPlay comme celui de la voiture. Le seul avantage, c'est que vous l'avez en sans fil. Ça s'arrête là. Donc mettre une centaine d'euros pour ça, je ne vois pas l'intérêt. C'est mon avis perso, ça n'engage que moi. Après chacun voit midi à sa porte. Perso, euh, voilà donc vous voyez c'est on peut pas rien faire d'autre et là c'est pour revenir en arrière. Mais sinon il, est, il a fonctionné très rapide. D'ailleurs c'est l'un des, des plus rapides mais il est aussi très simple. Donc du coup on peut pas dire que c'est parce que sa technologie est meilleure. C'est tout simplement comme c'est une version light entre guillemets donc automatiquement il paraît. Plus rapide. Allez, on retire. On passe à... Bah si, on a encore un boîtier, le blanc là, euh, tout à droite. On va le tester, on va passer à l'action. Je range au fur et à mesure. Donc là, pour le moment, on en a deux qu'on valide. On a déjà deux, donc même là, le troisième, que je valide pas. Alors, j'avais oublié que c'était celui-ci qui était le plus euh, petit. Euh, voilà. Euh, bon, bah on va le brancher, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai déjà mis le câble, on va gagner du temps. On le branche. Donc toujours la même façon. L'écran ici. Toujours. Alors, est-ce que lui, il a un voyant, quelque chose ah oui, il a un voyant. Il est rouge. Il est passé en carplay là comme ça. Pour le moment je fais rien mais logiquement c'est ah c'est la voiture s'est mise en veille donc au bout d'un certain temps ça s'est arrêté donc je mets le contact juste pour réveiller l'écran. Du coup ça avait désactivé la prise USB, ce qui est normal. Lui il est re-en route. Là le carplay va certainement redevenir noir. ou pas. En tout cas, avant que l'écran se mette en veille, euh, ça avait bien fonctionné. Alors, je vais éteindre comme ça. Ah, euh, non, si j'éteins ici, voilà, là, j'éteins. Voilà. Donc là, il est éteint. Maintenant. Un coup bref pour le rallumer. Le boîtier lui, il est toujours en route. Bon, on va mettre ça sur le dos du bug. Donc, je vais le retirer. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. L'écran il s'est éteint au moment de l'installation. Donc quelque part, voilà. Là, c'est comme si on le réinstallé à nouveau. Donc, voilà, il vient de s'allumer. Ici, lui, va-t-il basculer Alors, on attend, on patiente. En tout cas, voilà. Le nôtre, euh, enfin, il y en a deux qu'on a validés. Trois qu'on refuse, enfin, qui servent à rien. Euh, et puis ce quatrième, euh, bah sur le Marvel, rappelez-vous, c'était une cata Et euh, bah du coup. Pas intéressant. Et là, j'ai peur que ça soit la même chose. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais éteindre la voiture et je vais rallumer. Je vais voir, c'est parce que là peut-être que le bug a été provoqué. Hein. Donc on va voir ça. Ça change rien. Bah tant pis. Au moins là on est fixé parce que là j'ai tout fait, redémarrage, éteindre complètement le véhicule, etc. J'ai vraiment tout fait et euh, bon bah ça ne marche pas. Mais euh, déjà, sur le Marvel, c'était exactement le même problème. Et le problème, surtout, c'est que c'est des produits qui sont vendus à plus de 100 euros. Donc là, pour le coup, vous voyez, vous dépensez 100 balles pour un produit qui fonctionne pas. Et le problème, c'est comme c'est acheté sur du AliExpress, sur du Wish, euh, Banggood, enfin, tout ce que vous voulez, même certains produits achetés sur Amazon. Euh, je vous donne l'info quand même, parce qu'on a des clients qui sont fait avoir. Certains produits achetés sur Amazon, on se dit on est en totale sécurité, etc. Mais en fait, il y a certains produits, ils sont chinois et euh, qui viennent directement de Chine. Et ouais, parce qu'en fait, c'est des revendeurs qui sont en France, mais qui font rapatrier du matériel euh, depuis la Chine. Bon, vous voyez, depuis le temps, hein, c'est toujours pas connecté, donc ça dégage. Voilà, ça va rejoindre. Bon, on va les garder parce que quand il y aura d'autres véhicules, bah, on les testera dessus. Hein, euh, euh, voilà, ça permettra de voir si effectivement ça peut être une solution ailleurs. D'ailleurs, c'est un des rares à fournir aussi un mode d'emploi, voilà. euh, un mode d'emploi pour euh, montrer que ça fonctionne pas en fait. Bon, c'est pas grave. Euh, non, c'était pas si c'est lui parce qu'il a un double emballage comme celui-là d'ailleurs. Euh, voilà, bon bah vous avez assisté euh, au grand test et franchement, bah c'est à vous de en tirer des conclusions. Euh, pour ma part, euh, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de choisir un bon produit, euh, pas tomber dans l'excès, à prendre absolument le dernier Android sorti. Euh, comme là, c'est le 12 bientôt, il y aura le 13 qui va sortir. Ce qu'il faut surtout, c'est un produit de qualité et qui permette de télécharger, qui soit rapide. Pour le reste, on va dire c'est accessoire, parce que entre le 11 et le 12, des fois, vous pouvez avoir un écart euh, important. Euh, pour nous, les boîtiers euh, ceux qu'on fournit, c'est ceux qui sont vraiment adaptés pour les véhicules MG. Euh, là, pour le coup, vous branchez, ça fonctionne euh, et on n'en parle plus. Il n'y a pas de réglage, il n'y a rien, c'est opérationnel. Euh, après, pour les autres, il peut y avoir du matériel qui est fonctionnel, oui, que d'ailleurs la preuve de, de celui-là euh, et qui, qui fonctionne, mais il peut y avoir besoin de certains réglages pour que ça soit vraiment au top. Après, si vous, vous y connaissez un petit peu, ça peut le faire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker euh, notre chaîne euh, pour la faire évoluer. Et peut-être avec un peu de chance, on pourra vous montrer d'autres produits qu'on n'a pas encore montrés. Euh, je parle pas forcément des boîtiers Carplay, mais ça peut être aussi des équipements de véhicules, euh, des euh, autoradios Android auto directement pour remplacer votre autoradio euh, de votre véhicule, qui même si c'est un véhicule thermique, euh, voilà. Donc euh, n'hésitez pas, parce qu'on a des fournisseurs aussi qui sont euh, euh, qui nous suivent, ils regardent la progression de la chaîne et euh, effectivement, si ils voient qu'il y a une progression assez intéressante pour eux, euh, bah ils peuvent éventuellement nous filer des échantillons ou autres pour qu'on puisse tester et donner notre avis. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, bonne journée et à bientôt.